Alors que Penn Badgley s'apprête à faire très bientôt son retour dans la peau de Joe dans la saison 4 de You sur la plateforme de streaming Netflix, le comédien vient de faire des révélations étonnantes sur son enfance et ses problèmes de santé. Si vous pensiez tout savoir sur Penn Badgley, vous allez sûrement être surpris car l'acteur vient de révéler une information personnelle méconnue. Le comédien, qui va faire son retour dans la saison 4 de You sur Netflix, a dévoilé dans un nouvel épisode du podcast Hypochondriactor être né 2 mois avant terme, ce qui a eu un impact sur sa santé lors de son enfance. Penn Badgley a ainsi confié que sa mère a dû le réanimer plusieurs fois par jour pendant la première année de sa vie. Mon cœur et mes poumons s'arrêtaient, a déclaré l'acteur, qui a ensuite expliqué que les médecins lui avaient régulièrement apporté une aide vitale pendant les 2 premières semaines après sa naissance. Néanmoins, sa mère a dû apprendre à le réanimer, de manière littérale, une fois qu'il a été prêt à être renvoyé chez lui. Les touchantes et surprenantes révélations de Penn Badgley, You, sur son enfance et ses problèmes de santé. J'étais branché à un moniteur qui émettait des bips très forts, a continué à expliquer Penn Badgley. Les médecins disaient en gros, cela se produira instantanément, donc vous allez devoir le réanimer, et cela s'est produit, jusqu'à l'âge de mes 1 an environ. L'acteur, qui a détourné une chanson d'une célèbre chanteuse, a ajouté que ses cousins racontent souvent des histoires sur la façon dont il le ramenait littéralement à la vie pendant cette période. Je me trouvais sur la banquette arrière dans un siège de voiture relié au moniteur, et celui-ci se déclenchait, et tout ce que la personne avait à faire était de me toucher. Un simple contact humain me réveillait. Si, finalement, son état s'est estompé, Penn Badgley a déclaré souhaiter revenir sur cette période en raison de l'effet qu'elle a eu sur lui et sur sa façon de voir désormais la mort. Je suis extrêmement sensible au toucher. J'ai remarqué ça dans ma vie et j'ai compris plus tard que c'était probablement assez significatif. La mort ne me fait pas peur. Cela semble bizarre à dire, mais il y a un aspect à ça où j'ai l'impression qu'il y a une certaine gravité dans les premières expériences que j'ai eues, qui fait que je peux être maintenant très solitaire et méditatif, a-t-il révélé. Penn Badgley, la star de You sur Netflix, se confie sur l'impact de sa maladie sur son fils depuis 2 ans. Penn Badgley est le papa d'un petit garçon. Ce changement important dans sa vie l'a ainsi poussé à voir sa maladie d'un tout nouveau point de vue. J'ai commencé à penser tout au long de la première année de la vie de mon fils, comme si c'était moi, et que je faisais constamment des arrêts cardiaques. En pensant à mon tout petit maintenant, je comprends que cela m'a vraiment affecté. Ça a influencé ma perception de ce qu'est la vie et de ce qu'elle n'est pas. Mon enfant est si joyeux, et je pense que j'aurais pu l'être aussi, mais cela l'aurait marqué, a conclu avec honnêteté le comédien. À lire aussi You saison 4, Netflix, ces scènes dérangeantes que Penn Badgley, Joe, a eu l'ordre d'atténuer.